Ça y est, le Jerry est en place. Il est en place dans tout ce bordel. Alors, les connectiques sont branchées, hormis l'alimentation. Je vais la brancher dans peu de temps. C'est quoi ce câble USB là, ici? Eh bien, en fait, j'ai besoin d'un clavier et d'une souris, que voici. Donc, c'est ce clavier et cette souris que je vais utiliser. Ce clavier et cette souris sont branchés au hub USB que l'on voit là. Et le câble noir USB, hein, eh bien, c'est le hub, en fait. Ok, j'étais un peu court, donc j'ai utilisé un prolongateur USB. On peut le voir, de couleur blanche. Ok, derrière, ça se passe comment? Eh bien, derrière, c'est simple, j'ai utilisé les connectiques du HP 8300. Donc, HP Elite 8300. Quel connectique? Connectique vidéo, VGA, en bleu. Alors, le câble blanc, eh bien, c'est le prolongateur USB qui me donne accès au hub, qui lui-même me donne accès au clavier et à la souris. Alors, le net, on peut voir, couleur jaune, RJ45, et ben, c'est tout, il n'y a plus que la lime à mettre. Voilà, l'alimentation est branchée, maintenant il me manque le plus important. Oui, la clé USB. Voilà, la clé USB magique, comme j'aime l'appeler. Alors, petit port USB. Voilà, c'est en place. Alors, soit j'ai décidé de réaliser la vidéo au soir, pour qu'il fasse noir, et donc vous auriez pu bénéficier du magnifique jeu de LED de ce Jerry, mais la qualité de la vidéo aurait été mauvaise, ou alors, eh bien, j'ai décidé de réaliser la vidéo maintenant, en pleine journée. Enfin, maintenant, en pleine journée, il est quand même 18h15. Il faut que je me dépêche. Là, vous ne bénéficiez pas du magnifique jeu de lumière de ce Jerry, mais par contre, la qualité de la vidéo était mieux. Donc, ce que l'on va faire, allez, on le met sous tension. On peut voir un peu le jeu de lumière. On se retrouve dans le firmware de la carte mère. Donc au démarrage, j'ai pressé la touche F10, ce qui me donne accès donc à ce firmware. Et je vais juste vérifier que le réglage de l'heure et de la date sont corrects. Oui, elles sont correctes. Alors ensuite, je pourrais, via l'onglet stockage, ordre de démarrage, je pourrais positionner le périphérique USB en première position pour démarrer dessus, mais non, ce que l'on va faire, donc je vais repositionner mon périphérique USB en deuxième position. Voilà, ce que l'on va faire, nous allons enregistrer les modifications et quitter, quoique je ne suis même pas obligé puisque je n'ai rien modifié. Ce que l'on va faire, nous allons redémarrer et via la touche de raccourci non plus F10 mais F9, donc avoir accès au menu de sélection de périphériques de stockage pour démarrer. Malgré que je démarre via la touche raccourci F9 pour avoir accès au menu de démarrage rapide, donc à la sélection des périphériques de stockage pour booter, je dois rentrer le mot de passe. Voilà, et là je peux avoir accès donc au périphérique USB. Oh, que c'est beau, magnifique, j'en ai à chaque fois des frissons. Directement, ce que l'on va faire, clé de réemploi MUbuntu, installation automatisée. On peut voir que la machine a trouvé sur la clé USB 4 clones. 2 clones d'Emabuntu DE3 1.04, donc architecture 64 bits et 32 bits. Donc ce sont des clones OEM, attention, moderne desktop. Donc ce sont des clones d'Emabuntu DE3 1.04 avec un visuel plus moderne. Et alors nous avons 2 autres clones de DFISO, donc Debian facile, architecture 64 bits et 32 bits, ce ne sont pas des clones OEM, mais des clones standard. Pour ma part, je vais installer donc l'option
numéro 2, donc déjà ce sera une architecture 32 bits, Demabuntu 2.3 1.04, donc c'est un clone OEM, moderne, desktop. Donc j'active bien attention NumLock pour ne pas avoir de surprise. Je choisis l'option numéro 2, je valide par entrée ou enter. Attention, voulez-vous partitionner le disque, donc /dev/SDA, toutes les données seront détruites, donc oui. Enter. La question est posée une deuxième fois, donc de nouveau, oui. Et attention, enter, et c'est parti. Allez, en 3 minutes et 15 secondes, c'est plié. Donc je rappelle, c'est un clone OEM, donc l'utilisateur peut rentrer ses informations personnelles. Donc bienvenue, langue français, région Europe, zone Bruxelles. Donc entrée clavier belge, variante par défaut. Alors ici, je vais rentrer donc réellement mes informations personnelles. Voilà, mes informations personnelles sont rentrées. Donc suivant. Installer et on patiente. Installation terminée. J'ai encore des frissons. Allez, c'est parti. Allez, on y va, j'en ai encore des frissons. Magnifique! La première chose que l'on va faire, c'est décocher cette case fermée. Est-ce que j'ai bien accès au menu? J'ai bien accès au menu. Ok, j'ai bien du son. Le focus ne se fait pas. J'ai bien du son. J'ai bien accès au réseau. Le focus ne se fait toujours pas. Alors, en bas, nous avons le dock. Ah, le focus s'est fait. Vous voyez? Hop, hop. Voilà. En bas, donc j'ai bien accès au dock. Voilà. Avec tout ce dont on a besoin. Gestionnaire des tâches. Voilà, tiens, je vais démarrer HTOP. J'aime peut-être mieux mon ami HTOP. Voilà ce que HTOP m'annonce. Pas mal. Gestionnaire de fichiers. Nous avons Firefox.
YouTube, blabla Linux. On va regarder si la vidéo est OK. La vidéo est OK. Le son, c'est normal. J'ai coupé le son. On peut voir que tout est fonctionnel. Essayons maintenant donc de lancer LibreOffice Writer. Premier lancement. Oh, oh, c'est du rapide quand même. Essayons maintenant GIMP. Premier lancement. Waouh. Rapide. Je vais maintenant donc déconnecter la clé USB. Aller physiquement déconnecter la clé USB. On voit un peu les lumières. Allez, on redémarre et on va voir un peu la rapidité du Jerry à roulette lumineux. Éteindre le Jerry, éteindre splendide.